Eh bien le bonsoir à tous, ici Draken sur Evason Studio. On se retrouve ce soir pour le dernier des jeux Spy Fox. Donc ce sera Spy Fox 3, Opération Ozone. Et sur ce, je vais vous montrer le jeu de suite. Donc comme d'habitude, hein, vous ne verrez pas ma caméra, comme ça vous pourrez profiter pleinement de Spy Fox 3, qui est un clicker, bien évidemment. Enfin, Opération Ozone, je me suis trompé, excusez-moi, c'est SOS Planète. Mais on peut dire les noms, les deux noms, ça c'est pareil. Alors, je vais vous montrer le jeu, ne bougez pas d'un instant. Tac, petit jeu, montre-toi. Bien évidemment, hein, le jeu met un peu de temps à approcher, voilà. Parce que ça se joue sur un émulateur, enfin un genre d'émulateur spécifique au moteur du jeu qui est le moteur ScumVM. Alors, donc nous allons commencer de suite. Et j'ai oublié de préciser que ce jeu-là était sorti en 2001. Et malheureusement, pour nous, ce n'est plus les mêmes voix. Hop, ce n'est plus les mêmes voix que dans Spy Fox 1 et 2, car la société de doublage a été changée entre deux. C'est parti. Quelque part dans les monts d'Écosse. Voilà, hein, bon. Vous C'est déjà qu'il n'a pas de le. savoir jouer de ça, l'ami. Qui n'a pas un talent pour la cornemuse, Spy Fox. Vous n'avez pas l'air d'être un fumélomane. Vous voulez dire mélomane, non? Pitié, arrêtez. Comme je disais, fumélomane. C'est encore un gadget du professeur Quack. Attention, les cascades de fou, hein, comme d'habitude. Donc tout ça pour ça, bien évidemment. C'est très utile. Hein. Je me suis infiltré dans la base des méchants. Maintenant, je dois retrouver mon informateur. Il y a des informations vitales que je dois transmettre à Spy Corps. Capucine Jenny a dit qu'il serait caché ici, pile devant mon nez. Donc bon, comme d'habitude, hein, comme tous les jeux Spy Fox, vous pouvez cliquer un peu partout pour lancer des animations. Derrière le miroir. Ah, donc là on a l'indication sur où on va C'est ma trouver. Nouvelle donc, nous voyons donc comme d'habitude vos gadgets. Vous voyez l'heure également. Alors, c'est l'heure actuelle en stream, donc il est actuellement... Il est maintenant 9h03. Génial! Je peux passer en heure supplémentaire maintenant. Voilà, comme l'a dit Spy Fox, on va passer en heure supplémentaire. Du coup, on va D'habitude, commencer l'aventure. Je ne fouille pas dans les armoires à pharmacie des gens, mais après tout, je suis un espion. Et qui plus est, je suis en mission. Tout à fait, Spy Fox. Ah ah! Roger Nazo, le roi du déguisement. Vous n'oubliez pas les jeux de mots, hein, comme d'habitude. Oui, et je sais aussi très bien me cacher. J'espère que vous avez là-dedans le remède contre les criminels ordinaires. Tenez, prenez ce tube de rouge à lèvres. Désolé, mais ce n'est pas ma teinte. Je suis plutôt automne. Ce n'est pas vraiment du rouge à lèvres, Spy Fox. Il y a un message top secret caché dedans. Vous devez rapporter ça au QG de Spy Corps à toutes jambes. À toutes jambes, hein? Cela doit être important. J'espère bien. Encore une chose, Spy Fox. Quack a envoyé ceci pour vous permettre de prendre la fuite. C'est un skateboard à moteur fusée en origami. Les instructions sont imprimées dessus. Un skateboard fusée à moteur Bonne en chance. Origami. Moi, je file. Alors là, c'est pas... Monsieur Professeur Quack, mais il faudrait m'expliquer qu'il part où? Parce qu'il est bloqué, en fait. C'est bête. Enfin, alors, le skateboard en origami. Lorsque j'aurai plié ce skateboard à moteur bon, fusée, c'est pas très compliqué, hein. D'ici. Voilà. Ça a marché. Non, voilà, c'est un peu bête, hein. Fusée, on va dire que sur certaines années où on sent que c'est un peu le dernier, qu'ils ont vraiment mis le. On va dire. Ça commence tout doucement.
Et voilà, on peut partir par la sortie. Et du coup, nous étions dans le repère secret de nous ne savons pas qui. Et nous avons toujours la poursuite, comme dans le 2, la poursuite des méchants. Oula, pauvre mouton. La tête des moutons, quoi. Voilà. Il en manque un, je crois. Ah, et nous voilà sauvés par Lostin Pomoni. Oh, tiens. Coco de Coco Pops. Ah bah, pauvre Coco. Et oui, Lostin Pomoni qui peut devenir une fusée, un avion et un sous-marin. Oula, que ceci ça. D'accord. Ça c'est pas bon. Et voilà, opération SOS Planet. Ou Operation Ozone en anglais. Une bombe aérosol géante a été détectée en orbite et elle pulvérise sans cesse du gaz sur la couche d'ozone. À ce rythme, l'aérosol va détruire la couche d'ozone en quelques heures. Pourquoi il y a l'accent belge, le chef, directeur de Spycorp. Vous m'avez envoyé chercher. Il se présente sous la forme d'un tube de rouge à lèvres. Ce message est probablement chimiquement cristallisé dans l'emballage selon une taille tellement microscopique qu'il nous faudra la super loupe pour espion pour le lire. C'est pour espion. Avez-vous regardé dans ce tube de rouge à lèvres, Spy Fox? Bien évidemment, je suis regardé. Quelqu'un a glissé un message dans le tube de rouge à lèvres. C'est d'une simplicité ingénieuse. Que dit ce message, Spy Fox? À l'aide, signé Henri Tournique. Ça valait le message. Mais bien sûr, Henri Tournique est le meilleur expert mondial en propulsion cosmétique. Il doit détenir des informations propulsion qui nous permettraient cosmétique. De démanteler ce satellite dévoreur d'ozone. Aux dernières nouvelles, il travaillait pour la reine des cosmétiques en titre, Vénus Galore. Spy Fox, vous devez vous rendre à l'usine de Vénus et parler à Henri Tournique. Avec le petit doigt. Je suis parti. N'oublions Je pas. Je pense que Capucine, Jenny et Quack ont déjà installé là-bas le poste de commandement mobile. Naturellement. Voici le numéro de la chanson que vous devrez jouer pour y accéder. Bonne chance, Spy Fox. Sacheté. Non mais... La chance n'a rien à voir. Là-dedans. Ah bah d'accord. On n'a même pas le temps de finir notre phrase qu'on est... Ah. Maintenant, bah... on peut dire que ça roule. Comment y arrive? C'est ici que se trouve l'usine de Vénus Galore. La première chose à faire est de retrouver Quack et Capucine Jenny derrière, on voit dans la station. Le poste de commandement mobile. Alors par contre, c'est moi où la lune est très très grande. Parce que là, quand même, c'est un peu énorme. Alors, donc, nous la avons... La boutique de pizza est plongée dans le noir. Même s'ils étaient ouverts, je n'y entrerai pas maintenant. Alors, nous allons au bowling pour notre chanson. Alors, quelle est la chanson? Q6. C'est le code de chanson dont j'ai besoin pour rejoindre Capucine, Jenny... Eh ben c'est parti, Q6. Quel superbe jukebox. Ah, et nous avons la chanson ça, de Spycorp. C'est parti. Ah bah, nous sommes d'accord, c'est une fusée carrément. Dans les airs, à la verticale du bowling, flotte le poste de commandement mobile de Spycorp. Ah bah la vache. Vous avez amené le poste de commandement mobile vers de nouveaux sommets, Capucine Jenny. Ah, contente que vous ayez pu vous hisser jusqu'à nous, Spy Fox. Nous pensons qu'Henri Tournique, le spécialiste de propulsion cosmétique, a été enlevé par Vénus Galore. Il va faire des œufs carrés. Il est le seul à pouvoir nous débarrasser du satellite pulvérisateur. Mais soyez prudents, cette Vénus Galore ne manque pas de mordant. Ce n'est pas en faisant le beau qu'elle s'est hissée au sommet de l'industrie cosmétique. Oh mon dieu. Et n'oubliez pas d'aller voir le distributeur de gadgets, Spy Fox. Oh non, professeur Quack. J'ai stocké une pléthore de gadgets utiles. Ta voix, professeur.
Rappelez-vous aussi que vous pouvez me contacter à tout moment à l'aide de votre montre pour me donner ou me demander des informations. Ah, et ça change merci beaucoup, pour hein, la ce voix. Bref, hein. Briefing. Après, on va dire ça date, c'est 4 ans après notre dernier épisode qui était Opération Robot Expo. Donc, on va redescendre dans le bas. Et on va devoir trouver Vénus Gallo. Alors, on va tenter. Donc, bon, déjà, ici, on peut pas. La boutique de pizza est plongée dans le noir. Même s'ils étaient ouverts, je n'y entrerai pas maintenant. Bon, c'est toujours fermé. Bon, je pense qu'il doit être, faut aller dans le bowling. Hein. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ici? Ah bah tiens, Vénus Galore. Mais c'est qui ça là-bas? Ah, c'est Rétournique. Il entre. Oh mon dieu. Attendez une minute. Ce n'est pas du tout une quille de bowling. C'est Rétournique, le célèbre expert en propulsion cosmétique. Vache, on dirait qu'il bizarre. Est sur le point de se faire blackbouler. Il faut que je trouve le moyen de le sauver. Excusez-moi. N'êtes-vous pas Vénus Galore? C'est exact. Elle a une boule assez intéressante, Vénus Galore. Êtes-vous le quatrième membre de notre équipe de bowling? Oui, c'est moi. Où est votre chemise de bowling? Vous devez porter votre chemise de bowling. Quel manque de correction! Je m'en occupe immédiatement. Tout ça ne sent pas très bon. Et ce n'est pas à cause de mon déodorant. Vous avez l'air d'être un sacré joueur de bowling. S'il vous plaît, n'embêtez pas Craig ou Pacha. Ils doivent se concentrer sur leur partie de bowling. Donc, on va devoir aller prendre notre uniforme et on s'appelle Eric. Alors, leur couleur, j'ai pas fait attention. Alors, leur couleur, c'est... bande bleue, rose et épaule bleue. Alors, bande bleue, rose et épaule bleue. Comment ça va, champion? Et en plus, c'est gratos. Comment vous connaissez mon nom? J'ai fait une bonne supposition, je suppose. Ouais, peu importe. Pourrais-je avoir cette chemise de bowling aux couleurs chatoyantes, champion? Oui, bien sûr. Elle vous ira à ravir. Pourquoi il y a des palmes? C'est offert par la maison aujourd'hui. Une par client, mais échange autorisé. Allez, donne-moi ma chemise. Bonne journée. Merci. Alors, je vais essayer de récupérer les palmes en passage. Vous avez des palmes ici? Ah oui, ces palmes. Vous pourrez les avoir lorsque j'aurai récupéré mes chaussures de bowling. Bon, bah d'accord. Alors, on va faire une écusson gratos. C'est une machine à fabriquer des écussons de noms gratuits pour chemise de bowling. Cette chemise de bowling convient parfaitement Eric. À la machine à écussons gratuits. C'est fort pratique. Cette machine à écussons est géniale. Je peux y glisser une chemise et changer de nom aussi souvent que je le veux. Là, on est bon. Par contre, je crois qu'il me faut un gadget pour aller récupérer en Rétournique. On va aller au poste de commandement mobile. C'est bien, on n'a pas besoin de remettre à chaque fois, comme d'habitude. Alors, de mémoire, j'aurais le détecteur de perles. À quoi sert ce gadget, professeur Quack? Cela vous permet de découvrir rapidement une perle dans un tas d'huîtres. Lorsque vous approcherez d'une perle, merci, professeur l'ampoule Quack. Clignotera de plus en plus vite. Génial. Il n'y a rien de pire que d'avoir à ouvrir une montagne d'huîtres pour trouver une malheureuse petite perle. En effet. Terreux, avec un arrière-goût de bois. Ah oui, c'est vrai, il mange toujours ses plants, professeur Quack. Alors, du coup, il me faut la boule de bowling de mémoire. Alors, boule de bowling, ok. Il va me falloir... la boule de bowling. La boule de bowling d'espion. Sur espion. Expliquez-moi le fonctionnement de ce gadget, Quack. Et n'oubliez aucun détail. Supposons qu'il vous faille récupérer un message secret ou tout autre objet normalement attaché à une quille de bowling. Lancez simplement la boule vers votre cible et elle l'avalera et vous la rapportera. Brillant, Quack. J'en suis tout bouleversé. Et n'oublions pas, hein, Spy Fox, c'est les jeux de mots. Ces plans contiennent toutes les fibres dont mon alimentation a besoin. Qu'en fait, professeur Quack, il ne mange que des plans de gadgets.
comme quoi. Alors, donc on va aller récupérer notre cher Henri Tournic. Alors, du coup, on va mettre notre chemise. Parce que nous sommes... Mais... Ah. Ça, c'est ce qu'on appelle une prise de position vestimentaire. Ça lui va bien, en plus. Et elle déclare... Hé, hey, regardez-moi. Pourquoi je joue au bowling. Les épaules sont un peu larges. Et du coup, Henri Tournic. On a quasiment la même que Miss Galore. Mais je suis prêt à faire chuter des quilles. Jouons-nous enfin. Allez, c'est parti. C'est vous qui commencez. Je tiens à savourer cet instant. Elle aurait pas dû, je pense. Ça, c'est moi au bowling. Eh bien, on peut dire que c'était amusant. J'ai le moment de filer. Tournic, il a disparu. Caïd, Pacha, il a dû s'emparer de Tournic. Ne le laissez pas s'enfuir. Oula, ça va être la bagarre. N'importe quoi. Peu importe, il est trop tard maintenant. Pacha, Caïd, retournons à l'usine. Le moment est venu de réchauffer l'ambiance. Oh, la méchante. Allez, quelle chance! Vous avez reçu mon message. J'ai bien cru que Mademoiselle Galore allait entraîner... Oh, les sourcils quand même. Elle m'a capturé avant que j'aie eu le temps de terminer ma pilule coagulante. C'est la seule chose qui puisse encore l'arrêter. Cette pilule semble un peu difficile à avaler. Dites-moi ce qu'il vous faut. Il me faut un morceau de chiclet, mais pas encore mâché. Le chiclet est la gomme qui provient de la jungle. Une pizza à la figue de barbarie. Une poignée d'argile de beauté turquoise grossière que Vénus extrait du fond du lac. Le dernier élément dont j'ai besoin est le chiffre du diamètre de particules d'aérosol, ou DPA, qui est inscrit à l'extérieur du satellite pulvérisateur. Le DPA. Comment vais-je faire pour me procurer ça alors que le super Vim est en panne? Il y a une fusée dans l'usine de Vénus. Vous pourriez peut-être l'emprunter. Voici ma carte codée permettant d'entrer dans l'usine. Je suis bien, déjà en route. Ça. Je vais vous rapporter tous ces ingrédients, Tournic. Ou au moins attraper un méchant coup de soleil en essayant. Alors, on va... Votre voiture sera prête dans quelques instants. Les quatre destinations où vous devrez vous rendre ont été programmées dans l'ordinateur de la voiture. Je vais la déposer dans la rue qui se trouve en dessous de nous. Merci, Quack. Je serai content de retrouver ma voiture d'espion. Vous ne pouvez pas dire Lostin Pumoni, par contre. C'est son nom. C'est Lostin Pumoni. C'est une référence à Austin Power. Ce sera peut-être utile plus tard. Alors... Donc ça, on n'en a pas besoin. Pour le chiclet, on va avoir besoin de la mamie... La mémé grappin. Mémé grappin. Qu'est-ce que cette poupée a de spécial, Quack? Allez, le plan. Cette poupée permet de franchir les obstacles dangereux. Si vous appuyez sur le ventre de la poupée, cela projettera son dentier qui se plantera fermement dans tout objet fait de bois. Eh bien, je n'ai rien contre le fait de jouer à la poupée, du moins tant que la mission l'exige. Donc ça, ces on en a besoin. Sont riches en vitamines et en minéraux. Je me demande qui c'est qui lui redonne son sa télécommande à Quack. Alors ça, on en a besoin. On a besoin également de ceci. L'enrouilleur. Quelle est la particularité de ce gadget, Quack? Ce gadget très facile à utiliser se présente sous la forme d'une bombe aérosol. Pulvérisez le produit corrosif sur tout objet en métal et vous le verrez instantanément rouiller et tomber en poussière. C'est n'importe quoi. Si j'osais, je dirais que ça va dérouiller. Bravo, professeur Quack. Allez, c'est parti. Terreux, avec un arrière-goût de bois. Ah, vous l'avez déjà dit, ça.
Alors, on en a besoin de ça. Après, j'ai plus souvenir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Alors, on va descendre. On va se balader avec Lostin Pomoni. Allons dehors déjà. Et nous voilà. La pizza est ouverte. Et. Ah bah, Lostin Pomoni qui. Avoir réparé l'embrayage. Maintenant, je vais pouvoir parcourir la planète dans un moyen de transport digne d'un espion. Ah. Ma montre sonne. Capucine, tu dois avoir des informations importantes à me communiquer. Un instant, s'il vous plaît. Quelles sont les dernières nouvelles, Capucine Jenny? Nous avons placé l'agent Roginazo dans l'usine de cosmétiques de Vénus afin qu'il y recueille des informations. Il est parti d'ici avec une perruque rouge style années 60. C'est une bien belle perruque rouge style années 60. Merci, Capucine Jenny. Je garderai l'œil ouvert. Tenez-nous au courant, Spy Fox. Capucine Jenny, terminé. Alors, on a dit qu'il nous fallait... C'est la liste des ingrédients de la pilule coagulante. Je dois encore apporter à tourner l'argile de beauté. Alors, déjà, la pizza. Alors, aujourd'hui, pizza gratuite. Notre chère petite. Et il y a une pizza de figue de l'armarie. Bonjour, je m'appelle Fox. Spy Fox. Pizza gaufre. Je suis en mission pour sauver le monde. Eh bien, tant mieux pour vous. Je m'appelle Piazza Donut. Je travaille ici en attendant que démarre vraiment ma carrière d'actrice. Pia, j'ai désespérément besoin d'une de vos pizzas à la figue de Barbarie. Pizza Queen de Port, la boutique a été cambriolée la nuit dernière. Et devinez ce qu'ils ont emporté? Eh bien, compte tenu de la situation, je dirais... toutes vos figues de Barbarie. C'est exact. Et le seul indice qu'ils ont laissé derrière eux est un lambeau de tissu rose. Mais si vous m'apportez une figue de Barbarie, Vénus je serais ravie de vous la préparer en pizza. Donc, voilà. Je peux recueillir des informations sur l'endroit où je trouverai des figues de Barbarie à l'aide de ceci. Alors, allons voir les destinations possibles avec Lostin Pomoli. Cette voiture est un miracle de la technologie d'espionnage moderne. Quoi qui a programmé toutes les destinations dont j'ai besoin. Une simple pression sur un bouton. Et me voilà rendu. Bon, n'oublie pas les des moumoutes, hein. Le petit gobelet, hein. Alors, donc là, on est là. Il y a là, ici, ici. Alors, on va aller dans la jungle. Non. La jungle. Ancien et complexe écosystème abritant de nombreuses formes de vie. Environnement de plus de la moitié des espèces animales et végétales. On voit qu'il y a de des piranhas. Et on peut dire qu'il y fait chaud. Alors, on va utiliser la mémé. Très bien, mémé. Au travail. Et au passage, normalement, je sais pas s'il les prend. Hop, il faut que je les prenne, voilà. Ça, c'est je bon. Je pense que celui ou celle qui les portait n'en a plus besoin. Elles ne sont pas à ma taille, mais je vais quand même les garder. Donc ça, j'en aurai besoin après pour les échanger contre les palmes qui me permettront d'aller dans l'eau. Alors, nous avons une castor. Ici, nous avons l'entrée et on a des sigles. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Bonjour, je m'appelle Fox. Spy Fox. Je m'appelle Isabelle Bull. Je suis venue ici étudier le chiclet pour mon doctorat de chewing-gomologie. Mais des malfaiteurs habillés en rose chewing-gomologie le dans le machouille-pichouille. Machouille-pichouille, oh mon dieu. Il doit bien exister un moyen d'y entrer. Le seul moyen consiste à résoudre l'énigme du code hiéroglyphique et à déposer l'ancienne amulette de Machouille-Pichouille dans la serrure. Déchiffrer le code hiéroglyphique et utiliser l'ancienne amulette de Machouille-Pichouille. Compris. Alors, bon, déjà la castor avec une perruque blonde. À l'aide de ceci, je peux recueillir des informations sur l'ancienne amulette de Machouille-Pichouille. Alors, du coup, déjà, ouvrir la porte. Alors, de mémoire, je crois qu'on doit aller là-haut. Non, donc c'est pas ici. J'ai mal cliqué. Bien évidemment. Alors, nous allons là-haut. Donc, nous avons le code. Alors. Tac, tac, tac. On va pouvoir déjà ouvrir la porte. Donc là, c'est grand, cet arbre. Alors, c'est parti. La code, le code.
Je dois déchiffrer ce code hiéroglyphique pour entrer dans le machouille pichouille. Alors, vas-y. Tac. Ensuite, donc un cône, on dirait Camoulox. Un cône qui rentre avec une banane. Ça, je ne sais pas ce que c'est une fourchette, je pense. Ensuite, nous avons la balle de pétanque ou la balle de tennis. Je ne sais pas. Et nous avons le nez, le paire de lunettes avec le nez et moustache. J'ai trouvé le code. Maintenant, ça, on a déjà je fait. Dois déposer l'ancienne amulette de Machouille-Pichouille sur la serrure. Maintenant, je peux entrer et récupérer ce chiclet. Il nous faudra trouver l'amulette. Alors, on peut repartir de mémoire. Oh là là, l'animation avec les dents, quoi. Allons ici. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Le désert peint. On qualifie généralement ainsi une partie de l'Arizona aux États-Unis, mais pourquoi n'y en aurait-il pas aussi en Afrique? En effet. Alors, nous avons... Nous avons une cochonne ici. Nous avons un barrage. Est-ce que je peux le... Maintenant, d'accord. La rivière ne dévale plus la cascade. Ça, c'est pas mal. Et je vois qu'il y a une planche. C'est parfait. Est-ce que... Hé, une minute, vous! Seuls les apiculteurs qui viennent s'occuper de leurs abeilles ont le droit d'entrer dans le ranch de filles de barbarie. Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne suis pas apiculteur? Si vous l'étiez, vous sauriez que tous les apiculteurs doivent porter un chapeau d'apiculteur. Vous voulez dire que je ne l'ai pas sur moi? C'est tout moi, n'importe ça. Quoi. C'est que alors, je peux être distrait. Alors, on voit l'Austin pour il va me falloir porter un chapeau d'apiculteur si je veux entrer dans le ranch de figues de barbarie. En effet. Alors, on va remonter. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Ici, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, ben, on a Ursula. Waouh! Voilà Ursula, un sacré élevage d'abeilles. On appelle ça une ferme d'apiculture, trésor. Je m'appelle Fox. Mais elle te Spy connaît. Fox. Nous ne nous sommes pas déjà rencontrés? Je crois que je vous ai déjà vu à la foire mondiale, à moins que ce soit sur l'île grecque d'Acidophilos. Je m'appelle Ursula, c'est ça, Ursula. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, trésor, comme vous vendre du miel, faites-le-moi savoir. Merci, Ursula, je le ferai. Donc Ursula, donc qui vient faire une référence à Spy Fox 1 et 2, puisque dans Spy Fox 1, elle était serveuse au bar Lappy Hour, et dans Spy Fox 2, elle était masseuse qui nous a permis de... qui était également... Enfin, c'était une masseuse qui était anciennement patineuse artistique. Alors j'aimerais bien avoir ton... Je peux emprunter votre ton chapeau d'apiculteur, s'il te plaît. Pourquoi voulez-vous emprunter mon chapeau d'apiculteur? On ne sait jamais à l'avance quand un déguisement d'apiculteur peut se révéler utile. Eh bien, je ne sais pas. Je ne veux pas être impliqué dans une usurpation d'identité. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je suis un gentil espion certifié et je ne m'en servirai que pour sauver le monde. Si ça doit aider à sauver le monde... D'accord. Mais de la justification, quoi. Merci, Ursula. Et donc, du coup, on va pouvoir aller chercher des figues de barbarie, je pense. Alors, tac. Alors, on va aller mettre le chapeau avant, bien évidemment. Alors, bien sûr, on voit un rayon X, donc je pense qu'on va pas pouvoir reprendre des figues de barbarie. Mais avec avec la planche, je pense qu'on peut faire un truc. Me va parfaitement. Alors, allons-y. Donc là, on voit Spy Fox. J'adore les rayons X. Et du coup, notre figue de barbarie. Mon habile déguisement d'apiculteur a bel et bien berné ce garde. C'est pas un garde. Il est vital pour ma mission que je mette la main sur une figue de barbarie. On voit que la planche derrière reste en arrière. Ouais, bien sûr, ça fait pas mal aux doigts, bah si, hein, tu m'étonnes. Ouais. Pour une figue, elle est assurément très barbare. Alors, du coup, avec ma figue de barbarie, comme je vais pas pouvoir la récupérer en sortant, parce que je suis sûr qu'avec les rayons X, elle va le voir, on va la mettre sur la planche.
Et du coup, quand on repart, voilà. Et vogue la figue. Et du coup, on va pouvoir le récupérer au niveau de la cascade. Voilà, on repart tranquillement. Hop, allons à la cascade. Je pense qu'on va la récupérer. Et voilà, notre figue de barbaille qui est ici. Et sur la planche, elle est bloquée. Et on Je peut la récupérer. Je peux maintenant me procurer la pizza à la figue de barbarie dont Tournique a besoin pour sa pilule coagulante. En effet. Alors, premier événement, bien sûr. J'aurais aimé que mon smoking ait une poche spéciale figue de barbarie. Hé, hey, ce truc pique. Bien évidemment. C'est comme un cactus. Alors, ça c'est fait. Donc il nous en manque encore 3 à trouver. Alors, au revoir madame, on ne te reverra plus. Allez, estime pour Molly. Oh la vache. D'accord, on repart dans les airs. Donc, on va aller donner la figue de barbarie. Alors, que ici. Alors, attendez, déjà il y a mon code d'accès. Est-ce qu'on peut passer? Ça passe ou pas? Ah bah ouais, ça la passe. La carte codée d'Henri Tournique a marché comme un charme. Je veux dire que c'est un vrai sésame. Donc ça, ça a fonctionné. Alors, on va devoir donner ceci. Ah non, là c'est la pizza au figue de barbarie. Donc il faut que j'aille le donner à Pia. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est Pia quelque chose. Alors, big de far figue de barbarie. Allez, tenez madame. Tenez Pia, une voilà, figue de barbarie bien juteuse qui arrive droit du désert. Pouvez-vous me préparer une de vos pizzas spéciales à la figue de barbarie? Bien sûr, elle sera prête avant que vous ayez eu le temps de dire Hourra pour Hollywood. Hourra pour Hollywood, d'accord. Hourra pour Hollywood. C'est faux. Tenez monsieur Fox, une pizza à la figue de barbarie avec double ration de fromage synthétique. Ah ouais, en effet, fromage synthétique. Comment te défoncer les intestins? Merci Pierre, c'est ce que m'a ordonné l'ingénieur. Vous voulez dire le docteur? Non, je veux vraiment dire l'ingénieur. J'ai pas compris. L'ingénieur. D'accord. Pendant ce temps, en orbite autour de la Terre, l'aérosol de Vénus Galore poursuit son action malfaisante. Plus que quelques heures et mon aérosol spécial aura complètement éliminé l'ozone. Le soleil frappera alors la Terre de toute la puissance de ses rayons brûlants. Et donc et tous ces petits chéris pleureront pour avoir ma lotion solaire. L'IPS 2001 de Vénus. N'importe quoi. Au piment fort. Alors, je ne serai plus seulement la reine incontestée des cosmétiques. Je régnerai sur le monde tout entier. Eh ben, heureusement qu'ils font pas ça, hein. Quoique. Oh, j'ai la truffe qui brille. Elle se poudre le nez avec sa queue. Sérieusement. Alors, allons récupérer les palmes. On aura besoin pour aller chercher la vase. Hop. Allez, voici une paire de chaussures de bowling. Je peux avoir ces palmes, champion? Ah vache, la tête et la tronche des chaussures. Ouais, d'accord. Ils ont pas de chance, hein, souvent, les... Pourquoi ils dandinent tes fesses? Il n'y a ni lac ni océan à moins de 1000 km. Qu'est-ce que vous comptez en faire? 1000 km, hein, non? J'aime bien mettre des palmes et me faire passer pour un canard. Allez. Oh, il faut tout pour faire un monde, je suppose. Alors, donc on a nos palmes et la figue de barbarie. Alors, on va aller voir Monsieur Henri Tournique. On va lui donner la pizza. Ça, il va nous faire la pilule coagulante, là. Hop, hop. Eh bien, j'ai risqué de me faire piquer par les abeilles et brûler par le fromage. Mais je suis parvenu à vous rapporter cette pizza à la figue de barbarie. Voilà. C'est juste pour qu'il la mange.
c'était un ingrédient indispensable à la pilule coagulante. Oui, sans les propriétés nutritives de cette pizza, je me serais évanoui d'inanition. Maintenant, il ne me faut plus que le chiclet en provenance du cœur de la jungle. L'argile de beauté turquoise grossière venant du fond du lac. Le chiffre du DPA, ou diamètre de particules d'aérosol, indiqué sur le satellite pulvérisateur. Alors, voilà, on a fait ça pour rien. La pilule coagulante. Tout ça parce qu'il a faim. Alors on va aller dans l'usine, on va aller voir ce qui se passe dans l'usine. Parce que je crois qu'on va devoir aller voir Roger Nazo, qui va nous donner un indice. Alors... Je suis dans l'usine de cosmétiques. J'ai deux objectifs à accomplir ici. 1. Emprunter la fusée de cette roquette de Vénus. Et 2. Trouver Roger Nazo, mon informateur. Alors, on va aller à droite. Bon. Eh bien, cette salle dépasse tout le reste. Devine où de il la est. Tête et des épaules. Ce doit être une sorte de salle de test pour les produits de maquillage. Bonjour Roger. Spy Fox, par ici. Hein? Qui a dit ça? Par ici, la rousse. Roger Nazo. Waouh! Vous m'avez tellement surpris que mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Désolé. Ah, le passif agressif. Tiré par les cheveux par ici. Si vous avez besoin d'informations au sujet de l'usine de cosmétiques de Vénus, demandez-les moi. Roger. N'importe quoi. Alors, est-ce que tu as... Je suis à la recherche de l'ancienne amulette de Machouille Pichouille. Vous ne l'auriez pas vue traîner dans les environs? L'agent Pomme cherchait une amulette dans le même genre l'autre jour. Elle a dit qu'elle l'avait finalement trouvée dans un magasin d'importation. Un magasin d'importation? Ah, en effet. Alors, donc du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, mais que sont devenus ces bons vieux chiffres? On n'entend rien du tout. Je n'entends que des marmonnements. Je vais avoir besoin d'un système d'amplification auditive. Si seulement j'avais une meilleure oreille pour entendre ce que se racontent ces gardes. Et ici, on peut passer. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce que c'est là-bas? D'accord, on peut se coiffer. Waouh, cet engin ressemble à un appareil d'amélioration capillaire. Autrement dit, c'est une machine à perruque. Et du coup, je suppose qu'on en aura besoin pour passer. La fusée. Oh, le gros laser à rayon X. Bah non, ça passe pas. Ça va, ils sont gentils. C'est alors... diabolique. Cet appareil est une sorte de scanner à coiffure. Je dois mettre une perruque correspondant à la coiffure du jour si je veux espérer franchir cet appareil de malheur. Du coup, il nous faut la coiffure du jour. Je peux recueillir des informations sur la coiffure du jour. Je pense qu'on va aller voir en retour, enfin Roger Nazo, en retournique. Et alors, la coiffure du jour, Monsieur Nazo. Je suppose que vous ignorez quelle est la coiffure du jour. La coiffure du jour est bleue en queue de cheval, avec un superbe accessoire en forme de cage à oiseaux. Compris. Merci pour cette information bleu, au poil. Queue de cheval, cage à oiseau. Alors, hop. Alors, bleu, queue de cheval, cage à oiseau. Donc, déjà. Couleur, ces boutons bleu. Modifient la couleur de la perruque. On peut choisir parmi quatre couleurs très mode. Ouais, mode, enfin... Alors, cet écran présente les différents types de perruques que peut fabriquer cette machine complètement échevelée. Non, ça c'est mulet, ça c'est pompadour. Ah bah non, ça doit être alors que de cheval. C'est une perruque de style pompadour. Ah bah non, c'est elle pompadour. Ça c'est quoi? C'est une perruque de style queue de cheval. Oui, donc mulet, quoi. Et il cet faut la cage à oiseau. Les différents accessoires que je peux ajouter à ma perruque. La cage à oiseau... Ici. Allez, je pense que je vais voir de quoi j'ai l'air avec cette perruque. Un mulet bleu avec une cage à oiseau sur la tête. Ça m'a l'air d'être beau.
Voilà une perruque qui pose son homme. Je vais la conserver dans la poche jusqu'à ce que j'en ai besoin. Ah bah tu m'étonnes. Oh la vache, la coiffure quoi. Alors, on va aller à l'endroit de la fusée. J'en ai besoin maintenant, tu me la mets s'il te plaît. Arc ! Vous parlez d'une coiffure de mauvais goût ! Ah, tu m'étonnes. Alors. C'est bon ? Eh, ça passe. C'est avec une queue. C'est n'importe quoi. Alors. Donc on peut cette pas passer, il y a les gens. De franchir le scanner à cheveux. Je vais la laisser ici afin de pouvoir ressortir. Alors, on va pas pouvoir parce qu'ils vont tous m'embêter. Alors, on va devoir aller chercher des gadgets. J'espère que je vais laisser cette perruque ici pour plus de sûreté. Hop, en effet, laisse-la. Oh, elle tient toute seule, quoi. Alors, il va falloir qu'on aille chercher des gadgets. Alors, en gadget. Il va me falloir... pour écouter au mur et pour les rassembler tous, comme la pièce dans Spy Fox 1. Alors, qu'est-ce que... on peut avoir ? Bon, ça, je pense que ça doit être ça. Le petit pain stupéfiant. Ça doit être ça, je pense. Comment marche cette viennoiserie ? Je me souviens plus. Jetez ce gadget recouvert de caramel dans une foule, puis filez vous cacher. En explosant, le petit pain stupéfie quiconque se trouve à moins de 3 mètres. Il peut mettre les méchants hors d'état de nuire pendant plusieurs semaines. Quack, c'est de loin votre gadget le plus stupéfiant. Par contre, ça doit être très dur à digérer, je pense. Terreux, avec un arrière-goût de bois. Alors, on va prendre celui-là. On va prendre un truc pour pouvoir écouter au mur. Alors, pour écouter au mur... On aura besoin de l'oreille ceci. Pour espion. Ceci a l'air l'oreille pour espion, qui est juste un verre, hein, bien comment évidemment. Comment cela fonctionne-t-il, Quack? Cet appareil auditif permet d'entendre ce qui se dit derrière une paroi bien de évidemment, silice. Vider le contenu. Hein? Cela vous permet d'entendre des conversations à travers une vitre, Spy Fox. C'est une affaire entendue, Quack. Ces plants sont riches en vitamines et en minéraux. Et il va nous falloir un dernier de mémoire. Alors ça, on l'a. De mémoire. Il nous faudra le... La pastille de menthe. Pastille de menthe. Je suis certain que ceci fait plus que rafraîchir la laine. Qui ressemble bien évidemment de menthe à... Cette brille dans l'obscurité voilà. Et permet d'éclairer des lieux obscurs. Pour l'allumer, il vous suffit de mordre dedans. Non seulement son parfum de menthe est très rafraîchissant, c'est le troisième gadget qu'il a fait. Sous l'eau. Un rafraîchisseur d'haleine qui brille dans le noir et même sous l'eau. Ingénieux, Quack. C'est quand même le numéro 3, donc le troisième gadget je qu'il a créé. Pas dû déjeuner avant cette mission. Faut le faire. Alors, hop. Et du coup, on va pouvoir aller se balader. Donc, première chose, l'usine de Vénus Galore. Hop. Alors, l'usine, c'est parti. Alors, le verre, pour écouter ce qu'ils disent. Voilà. Et alors, il a laissé tomber toute la caisse de maracas. L'homme. L'oreille pour espion marche. J'entends ses gardes haut et clair. Mademoiselle Galore utilise vraiment des combinaisons bizarres pour le coffre-fort où elle met la clé de sa fusée. Qui a jamais entendu parler d'un coffre-fort ayant pour combinaison mousse à lèvres relaxante? Mais que sont devenus ces mousse à lèvres relaxante. La combinaison du coffre contenant la clé du vaisseau fusée de Vénus. Je vais avoir besoin de cette clé si je dois emprunter la fusée de cette roquette. Je ferai mieux de la noter. Du coup, il y a cassé le verre. Quack va me casser les oreilles pendant un moment à cause de ça. C'est pas bien ça de casser les verres. Alors, du coup.
On va aller donner le petit pain à nos chers amis. Tu remets ta coiffure magnifique. Vous parlez d'une horreur capillaire. On dirait qu'il y a un casque sur la tête, quoi. Donc je peux passer et ensuite on va utiliser le petit pain stupéfiant. Car ils ont l'air d'être affamés. Le petit pain stupéfiant de Quack n'est pas trop encrouté. On dirait une bombe. N'importe quoi. Oh, un petit pain. Bon, par contre, il est par terre. Moi, j'y touche pas au petit pain. Oh. Le petit pain stupéfiant a fonctionné. La viennoiserie enrobée de caramel de Quack a laissé ses gardes complètement stupéfiés. Alors, le coffre-fort pour la c'est clé. C'est le coffre-fort. Donc, on a dit mousse à lèvres apaisante, je crois. Non. Cette combinaison complètement dingue a marché. On a beau que tu forces le code, hein, bien sûr. Hein. J'ai la clé de la fusée de Vénus. Aucun coffre-fort n'est assez fort pour un espion qui a autant de coffres que moi. Oh là là, ces jeux de mots. Et du coup, on va utiliser la clé. Qui l'aurait cru ? Vénus a pensé à verrouiller la porte de cette fusée. Utilise ta clé, Spyfox. Et c'est parti. Voilà. Et c'est le décollage. Sur cet arbre à lèvres. Hein. Je suis certain que Vénus sera furieuse que j'ai emprunté sa fusée. Mais elle n'a qu'à être moins méchante. Et voilà. Donc c'est le stick du rouge à lèvres. Et par contre, non, il nous faut le DPA. Regardez un peu la taille de cette abomination pulvérisatrice. Il faut que je lui règle son compte avant qu'elle n'élimine la couche d'ozone et que tout le monde n'attrape de méchants coups de soleil. En effet. Alors, il nous faut ça. P-A. Cela doit signifier diamètre de particules d'aérosol. Tournic a besoin de ce chiffre pour sa pilule coagulante. Je vais l'inscrire sur un disque compact pour en garder une trace. Un disque compact. Oh là, on sent que c'est les années 2000. Hein. Heureusement qu'il ne dit pas un disque laser. Parce que alors là... Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Donc, on a Vénus Galore qui est là. Et on a le coagulant qui est là. Il faudra qu'on mette la pilule dedans. Alors, on retourne sur la Terre. Évidemment. Voilà, alors, reprends ça, donc je peux s'agir à la fin quand je devrais aller mettre la pilule. Vous parlez d'une coiffure de mauvais goût. Alors, il nous faut aller voir la dernière zone, qui est la zone du lac. On ira voir en retournique plus tard. Je crois pour le moment on a un peu besoin. Alors, le lac... Sur la zone de Russie n'est que... Ah, le lac. Il y a une grande l'Europe de l'Est et l'Europe et l'Asie sont juste un lac. Extraction d'argile de beauté de Vénus. Alors, je crois que lui, il veut ses palmes, hein, même si ça lui sert à rien. Hey, hello, je m'appelle Spy Fox. Comment ça va? Je m'appelle Alain Bibé. J'ai envie de plonger. Et vous? Le danger, l'intrigue et l'espionnage sont mon pain quotidien. Ces palmes ont l'air d'aller avec votre tenue de plongée. Hey, c'est vrai. Puisque vous avez des palmes, je peux vous laisser utiliser la tenue de plongée, si ça vous dit. Oui, bien entendu. S'il te plaît, oui. On ne sait jamais à l'avance quand on risque de devoir faire un peu de plongée. Ok. Ok, attendez. Attendez, c'est bon. C'est vrai? N'importe quoi. Voilà, il y a des grandes poches, hein, Spy Fox. Alors, du coup, j'ai la tenue plongée pour aller récupérer la boue. Alors, je ne sais voici plus ce qu'il faut. Voici donc l'installation d'extraction d'argile de beauté de Vénus. C'est vraiment une pure merveille. Alors, on va monter. Alors... Il s'en est fallu de peu. On dirait un des hommes de main de Vénus. Je ferais mieux de ne pas le laisser me voir.
Cache-toi, Spyfox. Alors, il faut que c'est je la liste vois des ingrédients de la pilule turquoise grossière. Turquoise grossière. Donc, turquoise grossière, bah, c'est en plein milieu. Du coup, nous allons nous transformer en plongeur. Attention, changement de style. Me voilà prêt à faire un peu d'espionnage sous-marin. Si j'arrivais à mettre mes habits pareils, ça me dérangerait pas. Hein. Allez, hop. Et du coup, alors qu'est-ce qu'il nous faut ? Qu'est-ce que c'est ça ? Je me demande à quoi servent ces inscriptions. Ah, du coup, je dois remonter. Ah ouais, on voit des poissons de... Cette tenue de plongée n'est pas très souple, mais je n'ai pas l'intention de me promener avec partout. Ah, vache. Allez. Alors, comment je fais pour ouvrir la porte? Ah, donc il faut aller... Ah, je dois aller appuyer sur les boutons. D'accord. Donc il faut que je retourne en bas pour revoir les boutons. Alors, j'ai pas fait gaffe. On va y retourner. Alors, c'était quoi? Donc, c'est... Ces inscriptions pourraient bien être une sorte de code. Alors, donc c'est gauche, bas, gauche. Gauche, bas, gauche. Alors, c'est parti. Retire ta tenue, Spyfox. Hop. Alors, gauche, bas, gauche. Mais faut pas que je me fasse attraper, donc je dois attendre qu'il repart. C'est parti. Allez, Spyfox. Je ne peux pas me faufiler devant ce garde. Je dois attendre son départ. Eh ben, vas-y. Allez, go! La manœuvre discrète d'espion numéro 37 est imparable. N'importe quoi. Je pense alors, qu'il gauche. Contrôle un système de verrouillage. Alors, gauche. Bas. Et gauche. Celle-là ouverte, on l'a entendu. Et du coup, je descends et je dois... Donc c'est la grille du milieu. C'est n'importe quoi. Alors, grille du milieu, on retourne dans l'eau. Alors, bon, on va dire les énigmes, elles sont pas très compliquées. Hein. Et du coup, c'est ouvert. Ce doit être ici que Vénus se procure son argile. Alors ne vous inquiétez pas, le jeu tourne encore. Mais il fait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit. Il faut que je trouve le moyen d'éclairer cet endroit. Et c'est là que notre chewing-gum fluo va nous servir. Le composé phosphorescent de la pastille de menthe de Quack a fonctionné à la perfection. Cette pastille de menthe éclaire toute la salle et j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Alors, donc là on voit donc nous pas c'est besoin, c'est que celui du milieu. De Vénus. Hein. C'est l'un des ingrédients importants dont Tournik a besoin pour fabriquer sa pilule coagulante. Alors, récupère un peu d'argile. Toutes les argiles de beauté se ressemblent dans la lueur verte de la pastille de menthe. Peut-être celle-ci est-elle la bonne. Je crois que oui. Donc j'ai l'argile, j'ai le DPA, et du coup il me manque que le chiclé. Donc, nous allons, comme nous a dit tout à l'heure Rogenazo, le chiclé se trouve dans de l'import, qui est la société, enfin le cabanon qu'on voit tout à l'heure. Normalement. Ah, oh là. Oh la vache. Voilà ce que j'appelle un magasin bizarre. Puis-je vous aider ? Je jette juste un coup d'œil. Mais merci de l'avoir proposé. Alors, est-ce que tu as des infos sur une petite Je suis à la recherche de l'ancienne amulette de Machouille Pichouille. Vous ne l'avez pas, n'est-ce pas ? Ben si. Crème antiride de Corinthe. Je suis certain qu'il s'agit d'une crème sorte de phrase codée. Il faut que je donne la réponse codée pour obtenir cette amulette. Parce que je n'ai pas la phrase codée. Donc, je dois
repartir et nous allons donner ceci à Bart. Ma montre sonne. Je ferai mieux de répondre. Un instant, s'il vous plaît. Oui. Vous me recevez, Spy Fox ? Qui a-t-il, Capucine Jenny ? L'agent Framboise a été expédié dans le désert. Elle a intercepté un gadget utile provenant de l'usine de cosmétiques de Vénus et doit vous le remettre. Je ne parviens pas à la distinguer. C'est normal, d'accord. Elle porte un déguisement. Capucine Jenny, terminé. Dommage qu'ils n'ont pas mis Matahari. Donc du coup, on va aller chercher notre cher gadget. Donc moi, je suis trompé. Tout à l'heure, je disais qu'on allait plus y retourner, mais comme quoi... Ah bah si. En fait, elle est juste cachée là. Vous avez l'air en forme, Framboise. Bah, il doit faire au moins 60 degrés dans ce déguisement. Gardez pourquoi se déguiser en n'importe quoi. Quel tuyau brûlant avez-vous pour moi aujourd'hui ? Spy Corps a intercepté ce gadget que détenait un des hommes de main de Vénus Galore. C'est une palette de maquillage numérique. Nous pensons que cela sert à déchiffrer les phrases codées comme par hasard. Sur le fond d'ombre à paupières, et l'appareil affichera la phrase complémentaire. Ingénieux. Et on y trouve les dernières couleurs à la mode. Bonne chance, Spy Fox. Je suis parti. Ils se barrent tous en hélico quand même. C'est plan B. C'est une... C'est quoi? C'est une marmotte? C'est... Plan B. N'importe quoi. Oh, avec le bruit des abeilles à côté. Et bah du coup, on va pouvoir retourner au lac. Et faire notre phase codée pour récupérer le machouille... l'amulette du machouille pichouille. Alors, elle a dit... C'était quoi? C'était corinthe bleu, je sais pas quoi. C'est la palette de maquillage à phrase codée. Donc elle a dit quoi? C'est quoi le code? Fusée. J'ai besoin de l'ancienne amulette de machouille pichouille. Crème antiride de Corinthe. Crème antiride de Corinthe. Il s'agit d'une sorte de phrase codée. Il faut que je donne la réponse codée pour obtenir cette amulette. Alors crème antiride de Corinthe. Cette palette à phrases codées est l'accessoire indispensable de l'espion à la mode. Poudre de riz blanc, crème de butin, ombre de chat bleu, ombre rose, crème antiride de Corinthe. Hop. Appuyer sur ce bouton a permis d'accéder à une phrase codée complémentaire. Siège baquet en cuir chaud. D'accord. Difficile de sortir d'un siège baquet en cuir chaud. Ah bah d'accord. Difficile de sortir d'un siège baquet en cuir chaud. Et hop, allez, donne-nous l'amulette. Voici l'amulette. Prenez garde à ce qu'elle ne tombe pas en de mauvaises mains. Bien évidemment. Ne vous en faites pas. Je la garderai dans ma bonne main. Rappelez-vous que vous aurez aussi besoin du code hiéroglyphique pour entrer dans le machouille pichouille. C'est juste. C'est déjà merci. Fait, ça. Cela a été très intéressant de discuter avec vous. Je vous en prie, bonne journée. Et votre éloc. Alors, enfin, marionnettiste. Alors, donc nous avons le... l'amulette. On va pouvoir aller au machouille pichouille et récupérer du chiclet. Donc, allons-en en Amérique du Sud. Ça va chauffer dans la jungle aujourd'hui. Allez, mimi. Oh, l'animation. Alors, nous allons la mulette. Et c'est ici. Bon, franchement, c'est pas très compliqué, hein, les énigmes. Et voilà. Du coup, on va rentrer. A fonctionné. C'est comme si c'était fait. Alors, tac. Donc ici, normalement, il y a deux, trois scénarios, mais c'est l'argile qui doit changer, en fait. En échec un espion bien longtemps. Maintenant, allons trouver ce chiclet. Ils étaient très inventifs, quand même, les Mayas, à mettre des scies tournantes. C'est là on a besoin du dérouilleur. Mais moi, j'ai l'esprit tranchant. Le dérouilleur va rouiller les lames. H.
Oui, en effet. Elle rouille rapidement. Hein. A fait rouiller ses lames en un clin d'œil. Alors, on va pouvoir passer et... Oula. J'ai trouvé le chiclet. Il a l'air d'être enfermé derrière cette porte. Eh bien, avec un peu de créativité, je devrais pouvoir résoudre en un rien de temps ce problème à la gomme. Alors, il nous faut... Cette corde est attachée à la porte qui retient le chiclet. Tirer sur cette corde soulèvera la porte. Mais comment faire pour l'atteindre? En effet, je crois qu'il va nous falloir un gadget. Ça tombe bien, on va pouvoir aller voir Henri Tournic et déjà lui donner ce qu'on a. Ça pourra déjà faire sa pilule coagulante. Alors, donc allons dans la rue. Allons voir Henri Tournic. Henri Tournic, cher ami. Donc, Q7, on n'oublie pas le code. Alors, Tony, déjà, le CD. Voici le chiffre du diamètre de particules d'aérosol dont vous aviez besoin, Tournic. Rapporté directement du satellite. Et lui, il regarde la télé, bien évidemment. Excellent, monsieur Spyfox. Voilà, tu es juste à le mettre dans une maintenant, pilule. Il ne me faut plus que le chiclet en provenance du cœur de la jungle. L'argile de beauté turquoise foncière venant du fond du lac. Alors, je pourrai achever la pilule coagulante. Et je vais te donner l'argile. Et voilà notre voici argile. Voici l'argile spéciale que vous aviez demandé, Tournic. Parfait, monsieur Spyfox. Voilà, et du coup, il nous faut plus que le gadget. Maintenant, il ne me faut plus que le chiclet en provenance du cœur de la jungle. Alors, je pourrai achever la pilule coagulante. Alors, le chiclet, il nous faut quelque chose... Si c'est ça. Le grille-pain. En quoi ce gadget peut être utile à un espion, ouais, quoi? Ce gadget peut vous propulser dans les airs, jusqu'à une hauteur de 6 mètres, grâce à ses puissants ressorts. Glissez les deux pieds dans les fentes, activez la minuterie, et préparez-vous pour le grand saut. Et hop, l'espion vole. Ingénieux, Quack. Terreux, avec un arrière-goût de bois. Eh bien, du coup, on va le prendre. Alors, il faut que je vérifie quelque chose avant. Tac. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein. Nous allons ici. Alors, Spyfox, nous allons descendre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ne vous inquiétez pas, je regarde pas la soluce. Hein. Je suis juste en train de regarder. Un petit truc, j'ai eu un message d'OBS, on est bon, voilà, je sais pas pourquoi OBS il m'a mis un petit message, j'ai pas compris, alors que tout va bien sur le stream. Alors du coup, nous avons le grille-pain, donc on va pouvoir aller récupérer le chiclet. Qui est du chewing-gum, hein, bien évidemment. Ah, de retour dans la jungle. Et donc du coup, ce serait les Mayas qui auraient inventé le chewing-gum. Ouais, je m'en remettrai jamais du dentier de la mamie. Alors, Spyfox, c'est parti. Montez l'escalier, on va traverser et on va utiliser le grille-pain pour le chiclet. Alors, est-ce que... S'il ne s'agissait pas du grille-pain spécial pour espion, je n'y placerais rien d'autre que des tranches de pain. N'oublions pas. Mais c'est un grille-pain pour espion, et je suis un espion. Ouais, alors, même, en avant. Moi, j'oserais pas. Hein. J'ai pas envie de me cramer les pieds. Hein. Ah. Bah voilà, on a récupéré notre chiclet. Enfin, je tiens mon morceau de chiclet.
Même une civilisation disparue ne peut m'empêcher de parvenir à mes fins. Oh oh. N'est-ce pas une référence à notre cher Indiana Jones? Mais bien sûr que si. Oui, c'est littéralement une référence à Indiana Jones. Avec la grosse boule qu'il vole au Maya. Il s'en est fallu de peu, mais je suis ressorti de ces ruines avec le chiclet. Rumine-moi ça, Vénus Galore. Et voilà notre dernier ingrédient pour la pigule coagulante. Mon destin était de régner en tant que baronne de la beauté. Oh mon dieu. Déjà, tout enfant, je savais choisir mes accessoires. Mais c'est le chien à côté, c'est le champion. Adolescente, j'ai commencé mes expériences en fabriquant mes propres fonds de teint et lotions solaires. Eh ben. Oh loche. Ah, mes produits étaient largement supérieurs à ceux des grandes marques. Dès lors, rien n'a pu stopper l'ascension irrésistible de Vénus jusqu'au sommet de l'univers cosmétique. Elle a tiré profit de chaque catastrophe cosmétique. La chute de palette de 97. N'importe quoi. L'affaire du brillant de 98. Vache. Mais d'accord, fois, en fait c'est une pollueuse en série. Que se passera-t-il lorsque l'aérosol dévastateur de Vénus aura percé la couche d'ozone? Tout le monde devra se recouvrir de lotion IPS 2001. Ou griller comme des homards. Ah mais toi aussi tu vas griller. Comment dire? Vivre et laisser frire. C'est vraiment une folle, hein. Là, franchement, entre, on va dire les deux autres, notre cher cabriolet. Bon, c'était pas, il était pas tout net, mais bon, c'était juste pour emprisonner les vaches. Et cabriolet, enfin, et Napoléon Bocloporte, il voulait se venger quand il était petit parce qu'il pouvait pas aller là, dans un. Comment? Dans un, dans une exposition, dans un, dans une foire, mais. Là, Vénus Galore, c'est juste que le pouvoir lui a monté à la tête. Elle est devenue folle, comme quoi, devenir riche n'est peut-être pas bon pour la tête. Alors, nous allons donner notre dernier chiclet. Voici le chiclet, Tournique. Allez-y, Henri Tournique. Ah, le chiclet! Son élasticité est indispensable à la pilule coagulante. En effet, et voilà, nous avons notre pilule normalement. Voici l'ingrédient final. Je peux maintenant achever la pilule coagulante. Oh la vache. voilà comment il. Voilà, il suffit un CD, de l'argile et un chewing-gum. Tenez, monsieur Spy Fox. Vous devez jeter cette pilule directement dans l'aérosol qui se trouve dans le satellite pulvérisateur. Elle est très instable et je vous conseille de ne pas traîner dans le satellite. Et en fait, ils ont mal fait ses cheveux. Vous aurez jeté la pilule. Compris. Jetez la pilule et filez au plus vite. Vous feriez mieux d'emporter ceci, Spy Fox. Qu'est-ce que c'est? C'est un couteau suisse d'espion. On y trouve une fourchette et un cure-dent. Voilà qui me sera utile si je dois dîner sans couvert. Il contient question. Aussi une pince coupante ultra résistante en alliage de chrome capable de découper le métal. Attention, hein. Merci le couteau suisse. Alors, du coup, nous allons arrêter Vénus Galore pour ne pas que la Terre soit détruite. Alors, du coup, on retourne dans l'usine pour aller mettre la pilule dans notre chère bombe à spray. Ah ouais, si je fais ça, il les prend toutes les... Ah oui, il la prend tout. Vous parlez d'une horreur capillaire. C'est parti. Bon, on a toujours les méchants qui sont englués, hein, bien évidemment. Hein. Et nous allons pouvoir entrer. Alors, dépreuvé en 1960. Quand même. Elle n'est pas toute jeune, la Vénus Galore. Hein. Et du coup, nous allons
mettre notre pilule coagulante. Vénus Galore, c'en est fini de votre tentative d'élimination de l'ozone. Et je pense qu'on sera arrivé sur la fin. Donc comme d'habitude, il y aura la mauvaise fin ou la vraie fin. Ah bah. On pensait s'y venir, mais non. Elle n'a pas eu la pilule. Vous n'étiez pas non plus très bon au bowling, très cher. Mais qui êtes-vous, au juste? Fox. Spy Fox. Et au nom de Spy Corps. Corps. Il sort un pas. En effet, tu t'es trompé, c'est pas ta carte. Je vous place en état d'arrestation. Pas aujourd'hui, mon renard. Et hop, nous allons, je pense, nous faire taper. Je dois vous avertir taper. Que je suis un expert en machin truc fou. Qui est une référence au premier. Où nous avons le machin truc fou. Saleté. Et, arrache. J'allais dire, si elle est jetée depuis là... Ce filet d'acier va vous mettre hors d'état de nuire. Bon, maintenant, je vais pouvoir terminer mon complot cosmétique. Cosmétique? Eh bien, me voilà coincé dans un filet d'acier cette fois. Il faut que je sorte de ce filet d'acier et que je récupère la pilule coagulante. Heureusement qu'il y avait une poubelle à côté. Alors, pour, je pense, on va utiliser notre couteau suisse. Le couteau suisse de Quack contient peut-être de quoi me faire sortir de ce filet. Mais oui, puisqu'il a dit qu'il y avait une pince coupante. On va essayer avec la... Peut-être que ce cure-dent me permettra de m'extraire de ce filet. N'importe quoi. Eh bien, il ne reste plus que la pince coupante ultra-résistante en alliage de chrome capable de découper le métal. J'espère qu'elle fera l'affaire. Vache. Ah, heureusement que t'es à une main, quand même. Ça a marché. Maintenant, il faut que je récupère la pilule coagulante. Alors, on va récupérer la pilule et on va arrêter Vénus Galore. Ouais, c'était très rapide, hein, je trouve. Je pense que là, on est sur la fin. Je suis content que ce ne soit pas le jour des poubelles. Cette fois, je serai super furtif pour la lancer dans l'aérosol. Déjà, quel éboueur va venir dans l'espace pour ramasser juste poubelle, quoi. Cette fois, je serai muet comme une tombe. Coagule-moi tout ça, pilule. Oh mon dieu. C'est pas bon, ça. Ah, les carottes sont cuites, Vénus. Imbécile! Cet aérosol est extrêmement instable! Le satellite entier va exploser! Oh non! Oulala! On y aille! Ah bah avec ses dents! Oh mon dieu! Des dents en acier! Vite! Donc là du coup il faut que je la suive sinon j'ai la mauvaise sang! Laisser Vénus s'enfuir! Une méchante comme elle doit être derrière des barreaux! À recevoir la meilleure réhabilitation que peuvent offrir mes impôts! En effet, allez vite, sinon... Vite, Vénus Galore. Sinon, on aurait eu la mauvaise fin. Nous allons faire comme les deux autres, la bonne fin. Et voilà. Donc, nous avons bouché le trou. Et notre chère fusée va détruire. Ah, donc, elle va direction la Lune. Et il va exploser, je pense, notre spray. Ce qui revient... Bah, d'accord. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah oui. D'accord. Ah, donc nous arrivons ici avec Vénus. Sur la Lune. Maudit soit ce Spy Fox. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait, Vénus? Bah, elle a pas vu qu'elle y arrive. Alors... Ils ne pourront plus m'attraper maintenant. Oula, ah oui, d'accord. Pas avec cet impénétrable champ de force qui protège ma base lunaire. Ils ne viendront pas me dénicher ici. Et je vais avoir tout le temps nécessaire pour préparer ma revanche. J'espère que t'as des vivres. Il est toujours possible de lancer l'opération Beauté Fatale. C'est diabolique. Un système de reconnaissance des ongles. Oh oh, oh j'entends Dieu. Un garde approcher. Il faut se cacher, là, vite. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le garde?
Attends, j'ai pas tout vu. Ma montre sonne. J'espère que ce n'est pas un démarcheur. Un instant, s'il vous plaît. Comme si. Vous me recevez, Spy Fox ? Salut, Capucine Jenny. Hey, mais vous êtes dans le VIM. C'est le super je peux VIM, y aller. Spy Fox. Je suis à la limite de la base lunaire, mais je ne parviens pas à franchir le champ de force. Je vais désactiver ce champ de force le plus vite possible. Je dois commencer par entrer, puis comprendre le fonctionnement du scanner de reconnaissance d'ongles. Bonne chance, Spy Fox. Nous sommes tous avec vous. Tous avec vous. Alors, c'est vert, jaune, bleu, rouge, bleu. Donc vert, jaune, bleu, rouge, bleu. C'est le clavier vert, qui commande jaune, la porte de la bleu, salle de contrôle. Rouge, bleu. Ça a ouvert la porte. C'est comme si c'était fait. Voilà, donc on va pouvoir y aller. C'est le centre de contrôle de la base lunaire de Vénus. Je dois désactiver le champ de force afin que Capucine Jenny puisse faire allunir le super VIM. Avant ça, on a oublié de regarder le jeu. C'est quoi ? Peine à ordures radioactive. Mon Dieu ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, oh là, je pense qu'on doit récupérer. D'accord. Aïe. Oh, c'est pas très compliqué. C'est encore plus simple que le... C'est encore plus simple que le joyeux sous-marin. Alors, qu'est-ce qu'il y en a là-bas ? Il y a une salle avec un moniteur de surveillance là-bas. Je vais faire un peu de tourisme. À la manière des espions. Des filles. Oh, oula. Oh, nom d'une crête. Oh. Oh, oh, quelle horreur. J'ai été aplati par une gigantesque houppette. Quel piège humiliant. Eh bien, il est impossible d'atteindre ce moniteur de surveillance sans débrancher d'abord cette houppette géante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Oula. Ah oui. La houppette, elle est cet là. Cet interrupteur doit désactiver la houppette rose géante de Vénus. Alors... Ah bah non, il y a des pièges partout. Ah d'accord, maintenant, ça met les portes en dessous. La houppette. Houppette. Du coup, il se prend la houppette. Oui, ma doublure cascade. La doublure cascade. Ils sont bêtes. Alors, bon, on va finir, on va remonter. Alors, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça contrôle le convoyeur du passage. Je me demande si le composant électrique manquant sert à le désactiver. Fait quoi si on appuie ? Intéressant. C'est rien du tout. Cet interrupteur n'a l'air de servir à rien. Je suppose qu'il existe une petite chance qu'il s'agisse d'un interrupteur à distance. Bon, on va tenter. Alors, on va aller voir en bas. Parce que je peux pas passer par la houppette. Je peux pas aller... là... Ah oui, d'accord, c'est ça, il faut que je ce prenne. Ce drôle d'interrupteur ça avait ouvert situé la porte, d'accord. Doit avoir ouvert ce placard. On dirait des bouteilles de parfum. Elles doivent être vraiment importantes pour qu'on les garde enfermées ainsi. J'ai même pas fait attention. Et on ne sait jamais quand un peu de parfum peut se révéler utile. Donc on va mettre le parfum dans le trou, je pense. Ah, vache. Mais répugnant. Allez, on met une tonne de parfum à lui. Alors, du coup, il nous faut désactiver la houppette. Allons désactiver cette houppette de malheur. Avec le parfum, je suppose. Hop. Normalement, ça devrait plus me téléporter en dessous. Cette bouteille de parfum c'est convient bon. À la perfection. Je pense que cela a désactivé cette machine. Ingénieux. Cette bouteille de parfum était un stop houppette camouflé. Ça met bien un mécanisme. Alors, on va désactiver la houppette, comme ça on sera plus embêté. Oui, c'est bon, tu peux y aller, Spy Fox. Ça a désactivé cette houppette de malheur. Maintenant, je peux poursuivre ma mission.
Alors, hop, on va pouvoir aller regarder l'écran pour voir les ongles de Vénus Galore. Allez, Houpette, vas-y. Eh ben non. Ce n'était qu'un peu de poudre. Ce distracteur de diode déguisé en bouteille de parfum a marché. La houppette de Vénus est hors d'usage. En effet. Allez. Alors, il nous faut les caméras. Ce doit être le centre là, de sécurité. Là, ils ont des gros boutons de quand Vénus. Même pour changer de caméra. Elle doit avoir installé des caméras de surveillance un peu partout dans la base lunaire. On peut voir le mec de la maintenance. Ces boutons font défiler les vues des caméras de surveillance que Vénus a installées en différents points de sa base lunaire. On voit le derrière du mec de la maintenance. Et ses ongles. Alors, ce sont des ongles rouges avec un fer à cheval. Donc allons-nous faire des ongles rouges à fer à cheval pour arrêter le bouclier. Et ainsi l'arrêter. Alors. On dirait une machine à vernir automatiquement les ongles. Grâce à ces boutons, faire à cheval. Choisir... Faire à cheval et. Cela me permet de choisir la vernis. Via sa chatouille, cette machine à vernis. C'est bon? Cette machine à vernir les ongles est rapide. Je n'ai même pas besoin. Donc c'est bon, et on va pouvoir faire arrêter. Cheval violet. Me voilà très mode. C'est parti. Et voilà, marche, arrêt, et on va pouvoir attraper cher Vénus Galore. Ça a marché. Maintenant, muselons ce caniche une fois pour toutes. Capucine Jenny, le champ de force est ouvert. Allez-y. Bien reçu, Spy Fox. C'est comme si c'était fait. Un nouveau en boîte. Oh, peu importe. N'importe quoi. Donc là, normalement, bon, ils sont tous... noir parce qu'ils n'ont pas de combinaison. Hein. Ah. C'est facile. Quel est le crétin qui a désactivé le champ de force? Ce crétin, c'est Spy Fox. Vénus. Ah, c'est juste derrière, quoi. Encore vous. Cette fois, je vais m'occuper de vous moi-même. Je dois vous avertir que je suis un expert en machin truc. Fou. Vénus. Oh là, la vache. Capucine Jenny qui se bat. Oh non, mon dieu, il a cassé son ongle. Mon ongle, mon ongle, non, des mascarades d'hôtel, mon ongle. Et ce n'était même pas un faux ongle, je suis mutilé. N'importe quoi. Merci, Capucine Jenny. Mais ce n'était vraiment pas nécessaire. J'utilisais la manœuvre d'espion dite du paresseux. Bien entendu, Spy Fox. Bien évidemment. Me croirez-vous si je vous dis que c'était la manœuvre du biscuit mariné? Mm-hmm. Et la manœuvre du poisson mort? Mm-hmm. Tenez, mm-hmm. Comme une pastille. Oui. Donc, qui est bien évidemment une référence à la Cité de la Peur. Prenez un chewing-gum, Emile. La destruction de la bombe aérosol orbitale et de la capture de la sournoise Vénus Galore, je vous décerne la très grosse décoration du mérite méritoire. Merci, chef. Qu'allez-vous faire à présent? Je pense que je vais prendre des vacances. Je suis épuisé. Je me suis donné un mal de chien pour réussir cette mission. Et du coup, là, je peux rentrer mon nom. Donc vous pouvez, comme d'habitude, hein, à la fin du jeu Spy Fox, donc dans le 1, nous avions, nous pouvions imprimer le tableau de Cabriolet. Dans le 2, c'était le certificat. Et dans le 3, nous avons ce petit, cette petite statue. Et voilà, la fin des... Aussi les crédits. Donc, première fois où nous pouvons cliquer dans les crédits. Recommencer. Alors, voyons, scriptage, faussaire, nettoyeur, bien évidemment, on va tous les faire, hein, quand même. Alors, j'ai pas fait cryptage, donc voilà toute l'équipe. Hein. Chargement des données. Et du coup, derrière, nous voyons Capucine Jenny avec tous ses gadgets. Elle en a beaucoup des gadgets, hein, Capucine Jenny.
Ils auraient dû faire un jeu avec Capucine Jenny directement en fait. Donc, nous avons bien évidemment une fin à la James Bond. Hein. Donc voilà, la... donc nous ce n'est plus le même studio, nous avons juste ces informations. Infogrames France, Lyon France, KPB Group et Paris France. Chargement des données. Voilà, cantatrice, donc ce sont les voix anglaises. Suspect inhabituel. Donc les directeurs de 1, et voilà. Spy Fox a été créé par Brad Carton et Brett Barrett. Et ceci est donc le dernier... Recommencer, quitter. Donc, quitter, ben, bien sûr que oui. Nous avons terminé Spy Fox 2. Alors, enfin, Spy Fox 2, Spy Fox 3, qu'est-ce que je dis comme bêtise, moi. Donc voilà, c'était Spy Fox 3 Opération Zone. Bon, un peu plus rapide que les précédents, je trouve. C'est celui que j'aime le moins, même si j'aime bien jouer, mais je trouve qu'on sent que c'était sur la fin de la société qui ensuite a été un peu, on va pas dire, lâché par Infogrames, mais bon. On va dire que Infogrames l'a revendue parce que elle était en faillite en fait. Donc voilà. Et voilà, début. Donc je suis en train de récupérer les informations. Donc le début des licenciements des employés a été effectué en juin 2021. Et le jeu a été sorti en juin en 2021. Donc je pense que ça a dû être très proche. Mais enfin bon. Très bon jeu quand même. Si jamais vous voulez vous faire les Spy Fox, bah, je vous les conseille les trois, hein, bien évidemment. Si vous voulez regarder mes aventures sur les deux précédents épisodes, je vous conseille de vous abonner à la chaîne de Yvason Studio et vous retrouverez donc tous les replays des streams qu'on fait, également des émissions que nous faisons et que nous allons faire. Il y a également la chaîne Yvason Studio IRL que je vous abonne également. Donc c'est plus, on va dire, les programmes, on va dire, type jeux de société, les Ring Fit également. Si jamais vous voulez voir Jake se dépenser à la tâche sur Ring Fit, profitez. Hein, on attend que ça, nous. Plus nous sommes, plus nous pouvons rire et nous pouvons partager notre passion. Je vous conseille également de nous suivre sur les réseaux sociaux, donc notre Discord que vous voyez apparaître, Instagram, Facebook, Twitter également. Vous aurez le planning des streams sur ces différents réseaux sociaux. Et je pense que ce sera tout pour ce soir. Pour ma part, vous me retrouverez lundi à 21h sur Rayman Origin, mais avant cela, attention, Jake, vous le retrouverez dimanche vers 15h pour du Ring Fit. Donc venez, on va bien s'amuser. On va bien s'amuser avec Jake. Et vous pourrez voir également Yakipon lundi, donc 20 septembre, sur Skull the Hero Slayers. Et venez avec nous, venez voir Jake sur Ring Fit, on va pouvoir comparer le avant-après des t-shirts. C'est assez impressionnant, franchement, c'est assez impressionnant. Et bien sur ce, c'était Draken, sur Spy Fox 3 Opération Zone. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis bonne nuit, cordialement, bisous.